Écoutez, on dirait un enfant qui pleure. Ah, elle a dû trébucher et se cogner la tête en tombant. Mais qu'y a-t-il, Irma? Au nom du ciel, parlez, ma fille! Vos bijoux, madame, ils ont disparu! Que personne ne vous... Prenez grâce, ne me faites pas grâce, et je vous en supplie, vous voulez donc me déshonorer? Oh, le canon du marquis a coulé, oh, c'est horrible! Malheur, tout est perdu, perdu, nos secrets, nos découvertes! Alors, Tryphon, du calme, je vous en prie! Tout cela va tomber en des mains étrangères, oh, c'est épouvantable! Oh, oh, Abdallah, mon petit chérubin! Ah! Oh, la poudre éternuée! C'est une des dernières trouvailles de mon petit chou à la crème! Ah! Non, c'est moi! Alors, cessez de radoter! Mais d'abord, vous êtes insupportable! Malheur de malheur de malheur! Et cessez donc de pleurnicher! Dans ma chambre, au premier étage! Oh, bébé chou! Mes gros bisous! Tout ça à cause de ce poison qui rend fou mon pauvre fils! Didi! Didi! Chili! Est-ce impossible, oh madre? Quelle humiliation! Personne ne m'aime! Je suis la honte, la marine. Voyons, capitaine, il ne faut pas vous mettre dans cet état. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Vous vouliez nous faire peur. J'avais posé les craques et la gonzenaie sur la coiffeuse. Je l'ai ouvert pour admirer le bijou. Puis je suis allée dans la salle de bain où je suis restée un quart d'heure, peut-être. Et lorsque je suis revenue ici, l'émeraude avait disparu. Peut-être est-elle tombée à terre. Dites, regardez ce que je viens de trouver, c'est navrant. Vous n'auriez pas pu découvrir autre chose, non? Allons, Zorino, ne pleure pas, nous nous en sortirons, tu verras. Chang, Chang, Jin. Oh, Chang! Mon pauvre Chang! Ces brutes m'ont accusé d'avoir volé l'émeraude de madame! Vous êtes parmi les principaux conjurés. Ah, je suis effondré! Y remettre mes pouvoirs au général Alcazar. Vive le San Teodoros, vive le général Alcazar. Pour découvrir la manière mon petit chou à la crème. Ah! Est-elle tombée à terre? Oh, c'est impossible! Elle était dans les craques. Alors dites, quel est le loup de la plus grande fripouille? C'est moi. Oh, bonjour, madame Clermont. Oh, docteur, c'est horrible. Ne pouvez-vous donc rien faire? Croyez-moi, madame Clermont, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Les meilleurs spécialistes sont là. Pourrais-je rester un peu plus longtemps auprès de mon mari, docteur? Je ne pense pas que ce soit bien raisonnable, madame. Cela ne ferait qu'augmenter votre peine. Il vaut mieux rentrer chez vous et prendre un peu de... Oh, des grâces, ne me faites pas grâce. Je vous en supplie, vous voulez donc me déshonorer? Oh, monsieur de grâce, ayez pitié. Mille sabords! Sortez de là immédiatement ou je tire! Ne me tuez pas, je n'ai jamais fait de mal à personne, je vous assure! Tonnerre de Brest! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je me cachais, on a essayé de m'assassiner, je me dirigeais vers mon auto lorsque... Paul! Alors je me suis dit, Séraphin, on en veut à ta vie! Votre Altesse, que se passe-t-il? Le docteur Müller, oh, il s'est enfui en auto, emmenant avec lui mon petit trésor en sucre. Des amis à moustache le poursuivent, mais je crains qu'il n'arrive, pas à le retrouver. Noyé. Oh non, Tintin pas mort, n'est-ce pas, capitaine?
Hélas, mon pauvre Zorino, c'est fini. Nous ne le reverrons plus jamais. Mon émeraude ! Mon émeraude ! Que vous est-il arrivé, madame ? L'émeraude que le Maharaja de Gopal m'avait donnée. On me l'a volée, on me l'a volée. Mon émeraude ! Maman ! J'étais occupée à broder dans ma chambre quand j'ai entendu crier madame. Je me suis précipitée chez elle juste à temps pour la recevoir dans mes bras. Petit démon! Oh, ce cher petit agneau! Notre ami se nomme Chong Chong Jen. Vous parlez de mon neveu? Hélas, il est mort à un accident. Ma pauvre émeraude! Soyez gentil de me prévenir dès que vous aurez de ces nouvelles. Mais voilà tous nos espoirs réduits à néant. Dis-moi, des années de recherche et d'efforts anéantis. Doucement. Le cœur déchiré l'a suivi des prêts dans la tombe. Mais les effroyables malheurs de cette pauvre famille ne s'arrêtaient pas là. Silence, écoutez. Mais Milou, on dirait. Ah Que se passe-t-il? Ça suffit. Vous me fendez le cœur. Avec votre histoire. Un instant, que je prenne mon mouchoir. Adieu, Tintin. Ton souvenir restera gravé dans mon cœur comme dans le cristal le plus pur.